sommes repartis encore pour une petite partie. Qu'allons-nous recevoir en face de nous? Varina contre Jaina. Alors... Vous l'avez cherché. Soyez sûr. Paf, paf, paf. Je commence. Donc cette carte-là, je n'en veux pas. Le reste, je peux éventuellement le conserver. Très bien. Très bon démarrage. Eh bien, voilà. J'essaye de continuer de vous montrer des belles parties, même si les decks sont pas avec des cartes monstrueuses ou autres. On arrive à avoir des petits jeux sympathiques, intéressants sur les mêmes levels. Alors, qu'est-ce que j'ai terminé tout ça, c'est génial. Suivant, je te laisse la main. Ensuite, nous irons mettre une provocation. Qu'est-ce que vous voulez? Pas de problème, comme dirait mon ami. Qu'est-ce que vous voulez? Tu vas pouvoir taper, je tape, ça reviendra au même, ce sera aussi bon. Quoi que j'aurais pu faire autrement, j'aurais pu mettre cette carte-là, ce qui fait que j'aurais pioché. Mais je lui aurais laissé, l'opportunité de pouvoir venir me taper. Maintenant, on va faire autrement. C'est là que ça va commencer à devenir intéressant. C'est que maintenant, je vais pouvoir poser cette carte-là. Faut pas chercher longue défense. Et là, je vais dire, fin de tour, viens me taper. Et là, il est pas bien. Parce qu'il va être obligé de réagir. À partir de là, on va pouvoir commencer à dire, écoutez, on arrive, on va faire mal. La bande arrive, sera à nous. Ah, joli, mais cela ne m'intéresse pas. Alors, on va faire la chose suivante. On va faire la chose suivante. Tu as demandé à un docteur? Non. Il me reste 3. Qu'est-ce que je vais pouvoir... Si, je vais jouer ça comme ça. Quelqu'un a demandé à un docteur? Il me reste 2. Donc... sympathique. Tu vas tâter de mon frère. Ah bah, il est peut-être moins content là. Ah bah, pas le choix, hein, faut défendre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Donc il va m'infliger sur 6. Ensuite, il va aller attaquer le petit. 6. Il attaque sur les petits puisqu'il ne peut faire tomber que les petits. Alors, 6. Bah écoute. On va être moins désagréable, un peu plus heureux. Puis on va en mettre un autre. Alors, maintenant, on va s'amuser. Alors, tac, 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 lui, il fait 3. Lui, il fait 3. Tu vas tâter de mon frère. Ce serviteur a déjà... 4. Je crois pas qu'il soit... Je crois que... Moi, de mon côté, je crois qu'il est pas bien. Ah oui, bah, moi, ça fait 2 défaites d'affilée.
Alors, que fais-tu? Tu te rends, tu te défends. Là, on a une petite partie qui est en train de se faire assez rapide, là. Alors 0-2, on va pas monter plus loin. Hein? Je suis à 0-2. Ah. Les portes sont ouvertes. Et ben voilà quelque chose d'intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ah oui, tous les 1, il va essayer de les taper. Piocher. Je pioche des cartes. J'adore piocher des cartes. J'adore piocher, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, bah écoute, on va faire les 5. Hein. Encore toi. Toi. Il te reste combien de points de vie, toi? 2. Très bien. J'aurais peut-être pas dû utiliser ça parce que je vais perdre un point d'attaque. Bon, c'est pas grave. Tu vas tâter de me faire. Voilà, tour suivant. Et là, je crois que. Ouais, bah, je crois que t'es pas bien, gars. Oui, tu peux. Que fais-tu? Passer derrière moi. Alors, qu'allons-nous faire? Déjà, nous allons faire la chose suivante, nous allons le réduire en silence. Ensuite, nous allons lui faire un point de dégâts. Un mort. Ensuite, je vais poser. Oh, c'était pas drôle, mais c'était bien joué. Voilà, bah écoutez, hein, petite partie, si vous avez aimé, likez, faites tourner, amusez-vous bien, éclatez-vous bien, et puis à d'autres aventures.